Je vous lance un défi. Êtes-vous en mesure de pouvoir me dire précisément ce qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous avez le sentiment de ne pas vous sentir épanoui. Vous avez le sentiment de ne pas vous sentir en phase avec vous-même. Êtes-vous en mesure de pouvoir me le dire précisément? C'est pas facile. Eh bien, pour vous y aider et pour vous mettre à l'aise, eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'il y a à peu près 3 ans de ça, avant ce que j'ai appelé ma prise de conscience, m'a empêché, m'a totalement bloqué et faisait que je ne me sentais pas épanouie et je ne me sentais pas en phase avec moi-même. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était la peur, la terreur d'être moi. C'est bizarre, hein, de se dire que on a peur d'être soi. C'est très bizarre. Mais vous savez, cette peur, elle est liée à quelque chose de précis. Et pour la petite histoire, je suis une personne, on pourrait dire, atypique. Alors, atypique, c'est un mot qu'on utilise, qu'on a beaucoup utilisé, qu'on utilise beaucoup en ce moment, un peu pour tout et n'importe quoi. Et je trouve ça assez dommage parce que finalement, ça dénature un peu le sens premier. Mais je suis réellement une personnalité atypique dans le sens où je suis ce qu'on appelle une adulte à haut potentiel intellectuel, HPI. Donc, c'est ce qui fait que je suis une personnalité atypique. Et j'avais cette frayeur d'être moi, tout simplement, d'être moi. Au grand jour, aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire moi, avec toutes mes facettes, mon petit grain de folie, parfois, mon hypersensibilité, tout le temps, mon incompréhension face à l'environnement qui m'entoure, aux comportements, aux attitudes de certaines personnes. Et ça, ça me terrifiait d'être moi. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, où est le problème? Où est le problème, finalement? C'est pas si mal d'être soi. Et puis, qu'est-ce que tu as de moins que les autres? Qu'est-ce que tu as? Oui, tu es atypique, tu es différente, mais tu as le droit d'être toi. J'ai le droit d'être moi. Et j'ai envoyé voler tout ça. Et j'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé d'être moi. Donc, c'est ce défi que je vous lance aujourd'hui. Êtes-vous en mesure de pouvoir me dire précisément ce qui aujourd'hui vous bloque et fait que vous avez le sentiment de ne pas être en phase avec vous-même et de ne pas vous sentir épanoui dans votre vie? N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me contacter via cette page si vous le souhaitez. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.